Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, vidéo spéciale comme on vous avait promis avec Camille sur le Tesla Owner Club. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle sur la chaîne et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que c'est. Bah, ça tombe bien, on a un membre éminent, enfin même un... Une dirigeante éminente du Tesla Owner Club. Donc je vais laisser Camille gérer l'interview, si tu veux bien. Allez, on y va. Donc bah déjà, je vais laisser Barbara se présenter. Donc Barbara Clavier, je m'occupe de la section Toulouse-Midi-Pyrénées pour le Tesla Owner Club France. Et je suis prête à écouter tes questions et à vous expliquer un peu plus. Parce que... Oh bah déjà, tu peux présenter. C'est quoi le Tesla Owner Club? Ouais, alors Tesla Owner Club, ça provient du club Facebook, Club Tesla France, qui existait depuis 2013. L'année dernière, ils se sont montés en association, ce qui leur a permis de rejoindre le programme officiel des clubs Tesla de Tesla. Des clubs de propriétaires et du coup d'être le club officiel de propriétaires Tesla. Ça nous permet d'avoir des liens privilégiés avec la marque et de pouvoir assister à des inaugurations, à des présentations de nouveaux produits, etc. Bon, et d'utiliser le logo. Comme la modèle Y au hasard. Exactement. Alors, depuis quand, du coup, Barbara, ça existe? Réellement, donc l'association 2020 et début des inscriptions 2021, début 2021. Donc, c'est assez frais. On est 500 membres, ça y est, au niveau national. Le pourquoi, le but vraiment de l'asso, c'est l'entraide. Hein. L'entraide, fédérer les propriétaires pour faire des événements, des animations et promouvoir aussi le véhicule électrique puisque le club a rejoint la fédération Fauve récemment qui est une fédération d'utilisateurs de véhicules électriques qui a aussi le volet promotion du véhicule électrique donc à la fois un peu corporatiste se retrouver entre propriétaires et fans de la marque mais aussi voilà, l'entraide, la bienveillance, etc. quoi. Quand on adhère au Tesla Owner Club France, on a un certain nombre d'avantages. Est-ce que tu peux nous les citer? Oui. Alors, je ne vais pas vous les donner dans l'ordre, je vais vous les donner comme ils viennent. Alors, déjà, il va y avoir chaque année un gala national donc, qui aura lieu probablement d'ailleurs en 2021. Donc ça, c'est sympa parce que ça permet de se rencontrer tous au niveau national et faire une belle fête. Et ensuite, quand vous adhérez, vous choisissez, il y a trois niveaux de cotisation. Et suivant le degré de cotisation que vous choisissez, vous allez avoir plus ou moins d'avantages au niveau du club, au niveau des, par exemple des rassemblements, des manifestations, mais aussi au niveau de nos partenaires, parce que la grande force du club, c'est d'établir un réseau de partenaires, tant au niveau national, avec par exemple Michelin, Green Drive, il y a Drive Elec Alliance pour les assurances, il y a Barrier Énergie, et aussi on travaille au niveau local pour vous trouver des partenariats pour le delating, faire un covering pour les pneus, que sais-je aussi, les loisirs, voilà, pour que vous puissiez avoir des réductions, des avantages aussi dans votre région. Et quand vous adhérez, vous recevez un petit kit de bienvenue avec des goodies. Et là encore, suivant le niveau de cotisation, ben, vous avez plus ou moins de goodies. Et puis c'est bien agréable, on est tous contents d'avoir nos petits... On attend tous, nos cartes. Alors, t'as cotisé à quel niveau? Alors moi, j'ai cotisé à Honor, c'est-à-dire au premier niveau de cotisation. Et t'as eu quoi? J'ai une magnifique carte de membre. Ouais. Oh, elle est belle, la carte de membre, classe, elle est belle, hein, franchement. Ouais, c'est chic, hein, franchement. Oui. Numérotée, s'il vous plaît, ouais. Numérotée. Ouais, ouais. Et du coup, on a eu, je sais plus exactement, on a eu plein de petits collants. Des autocollants. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu bah, le fameux, on vous en a parlé déjà, le fameux disque de recharge pour annoncer la fin de la recharge. Oui, ça, c'est super. Ça, c'est super bien. Et puis, bah, on espère dans pas longtemps pouvoir participer à un rassemblement. Enfin, déjà, ce soir, si on est là tous ensemble, oui. C'est grâce au Tesla Owner Club, puisque on l'a déjà dit pour la présentation du modèle Y. Je crois qu'on dit Y. Le modèle Y. Le modèle Y. Ouais. Mais c'était une exclusivité, une avant-première qui était organisée par Tesla et le Tesla Owner Club. Donc, pour les gens qui sont adhérents. C'est pour ça qu'on a eu la chance de pouvoir participer. Donc, on remercie à la fois Tesla, à la fois le Tesla Owner Club, parce que c'était une très belle soirée. Et oui, du coup, en parlant des avantages, il me semble que quand tu t'inscris, tu as accès à un forum privé. Exactement. Alors, en fait, le Facebook est pour tout le monde, qu'on soit
membre cotisant ou pas, on a notre espace communautaire, qu'on soit d'ailleurs propriétaire ou pas, on peut chercher des renseignements. Et après, quand on adhère, on a accès au forum où il y a des espaces privés. Certains sont publics, vous pouvez faire une recherche Google et tomber dessus. Mais après, il y a des espaces privés pour que les membres puissent échanger aussi entre eux et avoir un espace un peu privilégié aussi pour partager certaines infos propres au club ou à la marque ou autre, quoi. Est-ce que tu peux me parler des tarifs du Tesla Honor Club? Des niveaux de cotisation, oui. Exactement. Alors, il y a trois niveaux, donc Honor, Honor plus signature. Le Honor, la cotisation débute à 36 euros par an. On est à, 108 euros sur le Honor Plus, que je vous dis pas de bêtises quand même, et 450 sur les signatures. Et la première année, quand vous adhérez, il y a 30 euros pour les frais administratifs et le kit de bienvenue que vous allez recevoir et qui est vraiment très sympa. Donc, c'est 30 euros bien investis pour le club et ce que vous recevez. Je vous confirme, Camille a adoré son kit et surtout là, on a une soirée Tesla Honor Club. Donc, c'est la soirée qui correspond à l'événement que je vous ai présenté dans une précédente vidéo où on a découvert la Model Y. Et franchement, après la présentation, on s'est retrouvé entre membres, on mange ensemble, on boit l'apéro et on passe une soirée super sympa. Un des maîtres mots, c'est convivialité, entraide, convivialité. Voilà, je confirme. Ouais, c'est important, c'est fort et ça, c'est, voilà, on a un super groupe et donc vous êtes les bienvenus. Donc là, c'est spécifiquement pour le Tesla Honor Club d'Occitanie, mais chaque région a son Tesla Honor Club. N'hésitez pas, si vous avez des doutes du coup et que vous avez Facebook, à aller vous inscrire au groupe pour découvrir les gens. Et si ça vous intéresse, à ce moment-là, vous cotisez et vous participez aux divers événements. Voilà. T'avais quelque chose à rajouter ? Non, franchement, c'est une belle aventure qu'on vit. On a un club qui débute, mais c'est, voilà, humainement, c'est superbe. Et on vous invite vraiment à nous rejoindre parce qu'on a plein de choses à partager. Et tout à fait. Merci. Et merci à toi. Bon, du coup, je te laisse te présenter. Tu es membre du Tesla Honor Club aussi ? J'en suis membre et je ne vais pas dire indirectement fondateur, mais c'est un peu l'idée. Donc on va reprendre surtout la présentation, puisque je suis donc Ludovic Pascalon. Pourquoi je parle de ce côté fondateur, dans le sens où en fait je suis l'administrateur de départ du groupe Facebook qui s'appelait Tesla Toulouse Club et qui aujourd'hui donc s'est transformé en Tesla Honor Club France Occitanie. Indirectement, voilà, j'ai déjà commencé à fédérer les utilisateurs Tesla à travers un groupe Facebook qui a grossi et volontairement on est venu s'adosser au Tesla Honor Club. En plus, toi, tu as un possesseur historique de Tesla, tu as une Model X que tu as acheté quand ? J'ai acheté ce Model X, donc c'était un modèle d'occasion, de stock, en juillet 2017. Donc en effet, c'est un des premiers Model X puisqu'ils sont commercialisés depuis juillet 2016. En Europe. T'es dans le circuit Tesla depuis un moment là ? Dans le circuit Tesla depuis un bon moment et j'allais dire dans le milieu électrique également, puisque fin des années 90, mes parents roulaient en électrique, déjà, en Saxo électrique. Ah ouais ? Voilà, et donc moi dès que j'ai pu, je suis revenu à l'électrique avec les Leaf de première génération. Donc voilà, je roule aussi en Leaf depuis 8 ans maintenant et j'ai complété la Tesla dès que j'ai pu, puisque c'est le seul véhicule qui, déjà à l'époque et encore aujourd'hui, permet de rouler loin si on a besoin. Bon, et du coup, tiens, je vais en profiter pour te demander tes sensations d'utilisateur électrique. Des regrets par rapport au thermique ? Aucun. Pas de soucis pour partir en vacances, pour recharger, pour... Alors, non, parce que je roule en Tesla. Je persiste dans le sens où, aujourd'hui, il y a quand même trois catégories de véhicules. Je le dis et je le redis, c'est les thermiques, les électriques et les Tesla, qui restent un groupe à part parce que c'est en effet, oui, un véhicule électrique, mais qui s'utilise finalement comme une thermique. Moi, je trouve la conduite de l'électrique même beaucoup plus agréable. Quand je dis qu'il s'utilise comme une thermique, c'est pas sur le côté conduite, oui, c'est sur le côté contrainte. Temps de parcours, contrainte de recharge, etc., qui en effet fait les choux gras de beaucoup de journaux en disant « Attention, partir en vacances en électrique, c'est l'enfer, on en a pour 42 heures de voyage. » On a dû regarder le même reportage. Voilà, donc... Voilà, aujourd'hui, quand on me demande « je souhaite passer en voiture électrique », je réponds souvent « quel est l'usage qui est prévu derrière ?» Parce que, suivant l'usage, si c'est la voiture de tous les jours, n'importe quelle voiture électrique convient à cet usage-là. Si c'est en effet une voiture de tous les jours, mais dont on a besoin pour éventuellement partir en vacances, aller un peu plus loin, machin, etc., là, ça se réfléchit et souvent, la Tesla est la seule alternative. On est d'accord. Donc du coup, de ton expérience Tesla, donc ça fait 5 ans que tu roules en Tesla. Presque. À peu près, ouais. C'est ça. Donc t'es satisfait et tu reviendrais pas au thermique. Ah non,
vraiment, le côté sur les voitures, pour moi, il est hors de question de revenir à une voiture thermique. J'ai des enfants qui vont être en âge de commencer à prendre des cours d'auto-école, etc. Et ben, ils vont apprendre à conduire sur des voitures à boîte automatique. Oui. Et donc électrique, parce que bah, il est hors de question que j'achète une thermique pour ça. On est bien d'accord. Sur ton ressenti, tiens, du Tesla Owner Club, puisqu'on en parlait. Le Tesla Owner Club, c'est un club qui permet de fédérer un peu en complément. C'est-à-dire que Facebook fait beaucoup de choses. Maintenant, le Owner Club, ça permet surtout de fédérer en vrai et de montrer à la marque que bah, justement, on est des utilisateurs et qu'on compte sur la marque pour se développer intelligemment. Oui, et puis ça donne l'occasion de se rencontrer entre utilisateurs comme cette soirée. D'ailleurs, merci de nous inviter puisque c'est chez Ludovic qu'on passe la soirée. La porte est ouverte, il n'y a aucun problème pour ça. C'est toujours avec plaisir de rencontrer et d'échanger sur de l'électrique. Mais c'était bien agréable et on passe une bonne soirée à discuter autour de l'électrique et à partager. Je te remercie. Avec plaisir. Voilà, on vient tout juste de rentrer à la maison après notre soirée Tesla Owner Club et on était super ravis de la soirée. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah super, 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 on s'est régalé. Alors d'abord, on a pu voir cette fameuse Model Y. C'est chouette, on a eu un accueil, on a eu un super accueil au Tesla Center de Toulouse. Ils ont vraiment été aux petits soins avec nous, ils ont bien présenté la voiture, on a pu leur poser toutes nos questions. Ça, c'était quand même super bien. Puis donc, c'était un événement qui était organisé donc, par le Tesla Owner Club, d'Occitanie. Du coup, on a pu rencontrer d'autres adhérents du club. Et c'est quand même super sympa hein, de pouvoir échanger entre nous sur nos voitures, nos façons de conduire, de promouvoir la mobilité électrique sous toutes ses formes en fait hein, parce que souvent les gens qu'on rencontre sont pas uniquement ils sont passionnés de Tesla, de leur voiture, de leur modèle, mais au plus généralement ils sont aussi là pour promouvoir la mobilité électrique, donc c'était très chouette, très enrichissant. On a rencontré des gens très différents et c'était très super. Cool, on a passé une bonne soirée, on s'est bien amusé. Franchement c'était on très, remercie très vraiment sympa. Tout le monde c'était vraiment une très bonne soirée. N'hésitez pas, si vous êtes possesseur d'une Tesla et que vous voulez rencontrer des gens et faire des sorties, des soirées, vous amuser, adhérez au Tesla Owner Club de votre région. Sachant que nous, Toulouse, on est Occitanie, le Tesla Owner Club d'Occitanie, il est top, hein, tu confirmes ? D'ailleurs, hein, big up à Barbara qui fait tout pour que les gens soient en bonne condition et se sentent à l'aise. On a vraiment kiffé, voilà. Super. Bon, du coup, c'est le moment de vous dire au revoir. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Activez la petite cloche. Non. Pion. C'est pas toi la petite cloche ? Aïe ! Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour nous encourager. Ça fait toujours zizir et ça aide au référencement. Nous, on a été ravis de vous présenter le Tesla Owner Club et de faire cette vidéo pour vous. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Salut.